Salut Steven! J'adore toujours laisser les intros de. Normalement j'ai de quoi faire avec ce que j'ai. Oui, normalement je vais tout racheter la dernière fois. Il reste la foudre, il y a de l'éclair. Il y a de quoi faire. Bon, niveau item, je suis. Ranulf, l'attaque du roi des faucons a contraint les forces de Baignan à changer de position. Parfait, je vais frapper par le nord, Ike par le sud, Skimir par l'ouest. Je suis impressionné si tout se passe comme prévu, Soran nous aura une fois de plus serré la victoire sur un plateau d'argent. Ranulf, il y a du nouveau, les forces du Skimir sont en train d'attaquer à l'ouest, en haut de la falaise. Salut Dodo. Quoi, je leur ai pourtant dit de tout faire pour retirer ces hommes. Le général du camp adverse aurait provoqué Skimir en duel, Skimir a évidemment relevé le défi. L'homme qui l'a défié est un Bjork, il est grand et porte une armure pourpre, et il a les cheveux bleus. Mais bon sang, mais c'est Zeldus, catastrophe, Skimir n'a aucune chance contre lui, il va se faire massacrer. Va vite avertir Tibarn et Ark, dis-leur que je vais parcourir Skimir. Tu dois le détourner de cette folie. Ark, des troupes ennemies sont apparues au sud des forces de Skimir.
Semble que ce soit le général Zeldus qui y dirige. Oh non, c'est une très mauvaise nouvelle. Les forces de Kimir se disloquent, Bignon vaincra, nous devrons revoir notre stratégie. Ah, tu dois voler à leur secours, malheureusement tu ne peux pas emmener tout le monde avec toi. Choisis ceux qui t'accompagnent avec le plus grand soin. Entendu, Titania, je compte sur toi pour aller informer Tibarn de la situation. Oh, une map chiante à souhait. Où est-ce Kimir? Il vient d'escalader cette falaise, c'est la poursuite de Zeldus. Rattrapons-les. À deux, nous pourrons peut-être le sauver de la lame de Zeldus. Kishi, tu peux nous guider jusqu'en haut de la falaise? Bien sûr, elle nous fait avec plaisir. Nous vous débarrasserons de tous ceux qui oseront se mettre au travers de votre chemin. Parfait, nous allons guérir cette falaise. Le temps presse, il n'y a pas une seule seconde à perdre. D'accord, fais pas chier. Alors déjà, Kisha, je vais t'enlever, hein. Puis excuse, mais les unités comme ça m'intéressent pas. Je peux rajouter encore une unité. Ars serait pratique, j'ai envie de te dire. Ars serait pratique, une unité volante qui craint pas les balistes. Ouais, là, je sais. Ou j'utilise Boyd. Et en retard niveau level. Oh, fais pas chier le lag. Putain, t'allais très bien il y a quelques secondes, fais chier. Ah, on va prendre Art parce que une unité volante c'est toujours utile. Ah, ça allait très bien. Ah oui, bro, mais pas mauvais quoi. Vitesse 18, défense 24, force 20. Non mais la coup, pitié, la coup. Ah non mais là, pourquoi tu lag tout d'un coup, Fekinko? Mais j'ai bien mis pause le live. Pourquoi tu lagrais, saloperie de con de mer? Putain, tu fais très bien il y a quelques secondes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je lag comme ça tout d'un coup? Bon bah pas le choix, c'est de faire avec hein. Ah oui d'accord, il y a des mecs à l'épée. Et bah tu dirais, c'est une connexion instable. Il touche avec 13 de précision, je suis deg.
Bien sûr que t'es divisé, elle. Aïe. Ouh, deux frappes. GG. Donc j'aurais pas dû envoyer Brome du côté droit, il peut pas escalader les montagnes. J'ai fait une petite erreur stratégique, j'oublie toujours que les gars en armure peuvent pas escalader. Bon après c'est pas grave, ça aura un peu de perte de temps mais bon. Mon XP! J'aurais pas pu t'attaquer à l'archer, hein. J'ai de vous... Mais attaque-toi à l'archer au lieu de me piquer l'XP. Hein. Je déteste avoir des renforts. Mais non, mon XP, salope! Mon XP, putain, il avait parfaitement assez de points de vie pour que je l'achève avec ma mage, là. Putain, salope. Oh, fait chier, je déteste ces putains de renforts. Ah là, vous venez de me piquer une occasion en or de me faire de l'XP facile. Bande de pute de la guse. Ah, chier. Je vais pas frapper deux fois. Je suis étonnamment surpris. Bon. Un match quoi? Un match de feu et toi t'as un match de foudre? Bon, le match de foudre risque de faire chier. Ouais, point de vitesse, ouais. Ah si, il peut escalader. Ah ok, non, ok, j'ai rien dit. Brome peut escalader les trucs là. Puis qu'il y a une case bleue, j'ai rien dit, ok. J'étais persuadé que les gars en armure ne pouvaient pas. Bah, je me suis planté en beauté. Bah, tant mieux, j'ai envie de te dire. Ah ouais, quand même 4 de dégâts. Ah ouais, bon bah si tu touches pas 1 ou 10. Là tu vas pas aimer toi. Oui, attaque Mia, je t'en prie, vas-y, fais-toi plaisir. Initiative. Oh, elle a esquivé. Ah mais Mia, je l'ai rarement vu se faire toucher dans cette game. Là, je vous dis, elle esquive quasiment tout, ma Mia. Contrairement à l'autre Fire Emblem. Bien sûr, Mia, hein. Là, je doute qu'elle esquive. Ah bah si. Ok.
vol d'XP, ça me pète les couilles. Et voilà, j'aurais pu le faire achever. Mais les Lagus voulaient pas aller vous suicider? Et arrêter de me piquer mon XP? Juste comme ça, hein. Ça vous dit pas d'aller vous faire poutrer la gueule? De tous crever comme des chiens et me laisser mon XP? Parce que j'en ai ras que vous me piquez mon XP, là. Ah, mais tu crois quand même pas que je vais te remplir, le Lagus? T'as cru quoi? T'as cru que j'allais te remplir? Ah! Le seul problème, c'est qu'il me massacre la gueule. J'ai 26 de dégâts. Bon, 53 de précision, hein. Bon, on va voir si les 3 passent ou pas. Est-ce que les 3 coups, les 3 chances de critique vont passer? Salut, Chiki. Ah bah non, il y a négation qui est passée. Pas de contre-attaque. Parfait. Pas de contre-attaque, merci négation. Attends, est-ce que je peux l'achever? Non, malheureusement, dommage. Non. Non mais les Lagus, comptez pas sur moi pour vous régène, vous me faites plus chier qu'autre chose. À me piquer mon XP, vous me saoulez donc. Vous attendez pas que je régène, hein. Ça c'est mort et enterré ça. Tiens, t'as Tuck Rolf. Ouh, ah oui, quand même, 17 de dégâts. M'attendais pas autant. T'es sérieux là, mec? Ah, il a fait quand même 30 dégâts. Je pensais que ça serait un 0. Ouch. En même temps, sur Lyanna, ça m'étonne pas trop. Et bien sûr, les Lagus ont piqué l'XP, là. Pitié, les Lagus, crevez. Pitié, je vous demande pas grand-chose, je vous demande juste de mourir. Et pas me bloquer le chemin. Eh merde, 11 et 11-21, sinon je vais au javelot 8-8. Elle fait combien de dégâts elle? Pas assez de dégâts. Bah là je suis au javelot alors. Ah.
Tu piqueras pas l'XP de ce mob, c'est moi qui te le dis. Merde, j'ai oublié de sectionner le mec là. Voyons voir combien de cases il peut descendre. Mec là. En tout, il fait 1, 2, 3. 3 cases de déplacement. Donc si je fais 1, 2, 3. On va le laisser là. Hein. J'en sais rien. Faut voir comment le jeu va se présenter. Oui, non, j'en sais rien. Ne me demande pas à l'avance qui je vais recruter, faut voir comment ça se passe. Non mais les lagus, faites chier là, vous me bloquez le chemin là pour escalader. Vous vous rendez compte que vous êtes pas de couilles à me bouquer le chemin comme ça. Ah, je déteste les renforts verts. Les renforts jaunes, encore, je m'en fous. Ils sont bien car je peux les contrôler un minimum. Alors, les renforts verts. Et t'en te reste au moins des tirs? Bon, il reste un tir. On va pas s'en soucier. On tirera encore une fois et puis ça se prend. Aïe 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 aïe. Ça c'est pas bon pour moi ça. J'ai quand même 15, j'ai quand même 75 de précision. Ah ouais, elle a une bonne précision malgré la hauteur. Étonnant. Ah, les deux font 15 de dégâts, il manque un point de dégâts pour l'achever. Ah putain, je suis deg, il me manque le point de dégâts quoi. Enfin, seulement, elle faisait genre un point de dégâts de plus, je l'aurais massacré. Ah, il y a de quoi être deg là quand même. Aïe. Ah, tu préfères attaquer Art. Merci d'avoir laissé un trou dans notre défense. Oui, meurs, Laguse, oui, meurs. Arrête de me piquer de l'XP. Au revoir, Laguse. Enculé de la Guse, il vient de bloquer le chemin. Ah, négation, c'est pas déclenché.
Ah bah c'est bon, il a esquivé. Ouah, c'est du feu, Rosef. Hein, du 14. Du 14, ça fait du 28. 28, il a 39. Ah oui, il a une petite arbalète en plus. Ouais, non, je peux le tuer avec elle. Ah, j'espère que je vais pas prendre trop cher. Non mais sérieux, ils esquivent pas. Jupiter, ils esquivent tout et là ils esquivent pas le mec là. Ça m'emmerde un peu à donf là quand même. L'anneau esquive. Ouais. Ah ouais, il prend quand même cher le fait qu'il n'est pas transformé. Ah oui, deux fois. Ah oui. Je m'attendais pas à ce qu'il prenne si cher en n'étant pas transformé. Ah. Bien sûr. Esquive, pitié, esquive. Esquive, 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 esquive. Bon bah c'est parti pour le reset, hein. Alors. Moi je vais rien faire, je vais laisser les jeux s'attaquer à moi. Sérieux, pour un dégât, le point de force quoi qu'il me manquait.
Salut Wolf. Ça doit être le nom de, du thème qu'on entend, à mon avis, Eternal Bond. T'es sérieux, t'esquives pas du 41? Bon, les Legus, faites-vous massacrer. Ça m'arrangerait. À part me faire chier, je sais pas quoi vous servez. Adieu XP. Adieu XP. Ah, que du 12 de dégâts. Bon. Bon, je me suis raté en plus. Et voilà, négation comme ça, je me fous de la riposte. Fais-moi meilleur level que tout à l'heure. Mouais. Le point de vitesse était quand même plus intéressant. Ça fait 14 de dégâts. Là, le point de vie de la survie.
RIP mec. Fais-moi un bon level. Force, vitesse, défense, résistance. Ah, juste la vitesse. Lol. Attends, je vais t'empêcher de me piquer de l'XP, toi. Grâce à l'XP là, elle est pour ma gueule. Elle est pas pour la tienne. Ah bon, tu t'attaques à lui. Non. Bon bah la phase renfort, bah, il va se faire achever hein. Eh merde. Pensais grappiller de l'XP dessus, mais c'est mort. Ah, c'est renfort qui m'énerve plus qu'autre chose. Bah, le tue hein. Il a même pas réfléchir. Oh, en plus critique. Et bah ripampé mec.
Ah, étant donné que j'ai pas gagné mon point de vitesse, je frappe plus assez rapidement maintenant. Ah, merde. Je frappe plus assez rapidement maintenant. Ah, plus baisé là en fait. Vu que j'ai pas gagné mon point de vitesse par rapport à tout à l'heure. Eh, je peux plus faire du x2 sur les mages là. Ah, je suis baisé. Je suis un peu baisé ce soir. Oui, niveau de merde. Bon, j'ai que des niveaux de merde depuis tout à l'heure. Génial. On commence super bien. Tu commences par une map où tu gagnes que des nouvelles de merde. C'est super. C'est super cool pour commencer un stream sur ce jeu. Il y en reste des tirs à l'autre enfoiré. Il reste un tir. Bon, est-ce que je peux le tuer? Non. Bon, faut que je me mette hors de portée avec mon mage blanc. Ah oui, non, oui, le mettre hors de portée, c'est compliqué. Bon, bah, c'est un item, hein. Je peux pas mettre hors de portée. Bah, là, t'as le... Ça le manque de dégâts quoi. Ah bah non. Ouh, oh, le critique. Bien content que c'est le Galia qui se l'ait pris. C'est dans le jour 2 qu'il sert à quelque chose. Ouais, la chair à canon qui a été très bien utilisée sur ce coup. Oh, ça fait du spé gratuit pour Mist. Hein. Même si je préfère vous voir mort. Hein. Je vais pas rechigner contre un peu d'XP. Bon, normalement, les balistes, elles font plus chier. C'est bon, il n'y a plus de balistes. Là-dessus, je suis tranquille. Allez, force, vitesse, défense et PV. PV, c'est toujours utile. Bon, j'ai au moins eu la vitesse.
Avec lui, je vais... Je vais dire garder une place. Le problème, c'est lui qui me fait chier, en fait. Ah, t'es sérieux? Avec autant de précision, je me loupe. Là par contre c'est frustrant. Merci pour le level up. Et ben voilà un bon level, force et vitesse. Mais touche! Elle a plus de 70% de précision, comment elle fait pour pas toucher? 4 fois de suite! Elle a plus de 70% de précision! Comment elle fait? Expliquez-moi le jeu, parce que je comprends pas. On va replier un peu Ar, hein, je crois. Hein. T'as pris un peu cher, mon petit Ar. Hein. Alors déjà toi repli hein. Y a pas photo hein. Repli. La me... Ah non, elle avait 55. Ah merde, je pensais qu'elle avait plus. Je m'étonne qu'elle l'a fait que de se louper. Je pensais qu'elle avait plus que ça. Là, il a touché. Lol. 30% je touche, 55% je touche pas 4 fois. Lol. Ouais, le point de défense qui fait plaisir, le point de force. Un point de vitesse aurait été bien pour toi, mais bon. Esquiver. Oh, elle a touché. Oh, elle a fait une double touche. Oh mon dieu, mais qu'est pas ça. Ah oui, mais là ça m'emmerde. Je voulais dégager Ike là en fait.
Ouais, mais là, ça m'arrange pas là où tu t'es placé, gamin. Le chevalier, là où tu t'es placé, c'est le pire endroit sur lequel tu pouvais te mettre. Pour moi, là. En fait, tu vois. Satisfait? Tu m'excuses, mais bon, tu vois, moi, en fait, un bon level, c'est PV, force, vitesse et défense. Pour un attaquant. Et pour un magicien, c'est PV, magie, vitesse et défense. Ils n'ont pas besoin de résistance. Alors c'est bien, il peut pas atteindre mes mages, c'est bon, comme c'est placé là, c'est parfait. Allez, force, vitesse, défense. Pourquoi magie? Pourquoi? Pourquoi le point de magie qui sert à rien? Pourquoi? Pourquoi vous êtes si méchant avec moi? Ah bon, tu t'attaques à... Étonnant. En même temps, 4 de dommages, ça m'étonne pas. Hein. C'est un mec en armure. Avec une épée vent, je suis pas prêt de faire grand chose au niveau des dégâts. Non, non, ne le tue pas! Fils de pute! Mon XP! J'avais osé espérer que ça passerait, mais non. Étonnant, hein?
tellement un critique. Ou esquive. Ni l'un ni l'autre. Non, et lui il me touche. Ah non. Ah non, colonne de test, on s'est tous les deux loupés. Bon. Elle fasse ça, sinon j'étais dans la merde. Bah voilà, on s'est tous les deux touchés ce coup-ci. Oh, cet archer commence à me péter les couilles. Ouah, il fait mal. Il a un dracocide ou quoi? Non, pour que je me prenne du 21 dégâts avec Arf, faut y aller quand même. Quoi que ça, une dracocide, sinon c'est pas possible. Mec, il a un dracocide, c'est obligé. Je peux pas prendre autant de dégâts sinon. Oui, dracocide. Ah bah voilà. Mais merde, comment je peux prendre autant de dégâts? Et crève! Chiné! Mais oh mais! Ah mais! Ah oh, mais! Je vais attirer l'autre pour qu'il vienne m'attaquer. Ah non, 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 c'est ni fini, tu veux soigner. Où t'es placé, toi? Tu vas te faire attaquer par lui. Toi, tu vas mourir. Hein, œil de faucon est de retour, nouveau challenge. What? Allez, fais-moi un bon level, magie, vitesse, défense. Bon, il y a au moins la vitesse et la technique, vu qu'elle manquait un peu de précision. C'est déjà pas mal. Surtout le point de vitesse qui fait plaisir pour elle. J'aurais bien aimé un point de défense pour qu'elle soit moins fragile, mais bon. Le point de vitesse et le point de technique, c'est plutôt bon pour elle. Vu la peu de précision qu'elle a avec les tomes de foudre. Pouf, et en plus, critique. Rip en paix, Galia. Voilà, toi, t'es enfin mort.
fut compliqué pour tuer. Ouais, level up de merde. C'est génial. On peut pas avoir des bons level up là, non? C'est pas possible. Que là, c'est un peu la tristesse niveau level up, j'ai envie de vous dire. Le tuer, c'était une très mauvaise idée en fait. C'était une très mauvaise idée en fait. On va le laisser attaquer à l'infini parce que si jamais je le tue, à lui qui va en profiter à donf pour descendre et massacrer Arc. Donc on va le laisser en vie pour l'instant, hein. On va le laisser en vie, hein. Je voulais l'achever, mais en fait, non, c'était une mauvaise idée. Ouais, c'est à peu près les mêmes déplacements. Donc je peux les avancer sans crainte. Bien sûr que t'attaques Mia. Ah là, t'attaques Nifili, c'est bien. Touche avec de 11 de précision, ça serait abusé. Ouh, le critique. Aïe. Repose en paix, man. Je ne voulais pas être si violent. Je voulais te laisser en vie pour qu'un autre achève, mais le jeu a pas été d'accord apparemment. Bien, je te fais de dégâts à toi, hein. 21 de dégâts, je te tue. Ouais, comme ça, t'es plus un danger pour moi. Je te tue avec lui, comme ça, il n'y a plus de problème et on est tranquille, quoi. Elle l'a pas respecté, de quoi? Elle l'a pas respecté. Elle l'a pas respecté, ok, d'accord. Non, parce que elle l'a pas... Non, c'est elle l'a pas respecté, d'accord. T'as mis un R au lieu d'un S. Oui, d'accord. On prend mieux maintenant. Ou adepte, ça sert à rien. Dans tous les cas, il était mort, mais bon. Ah, les techniques qui se déclenchent jamais au bon moment. Pff. Ah là, elle touche. C'est ça le pire, elle a touché. Ah, les correcteurs automatiques, c'est toujours une joie. Bon, comment je vais te buter? Comment je vais te buter, toi? Hein? Et quelle manière? Ça te dit que je vais te trucider? Et qu'est-ce qu'ils ont, eux? Un fer létal. Oula, épée de foudre. Oula.
Oula, toi t'es dangereux, toi. Toi t'es dangereux, toi. Heureusement que j'ai regardé le stuff, hein. T'es un peu dangereux, mec, hein. Faire l'état, l'épée foudre. Oui. Et appelle-toi pété, ça sera reviendrait au même. Bon, faut que j'emmène quelqu'un qui résiste à la magie. Donc à mon avis, je vais mettre Soren. Grâce à l'épée foudre, il prendrait pas trop de dégâts. Normalement, l'épée foudre inflige des dégâts sur le magique. Si je me plante pas. Bien ça, l'épée foudre, ça inflige des dégâts sur la... Ah non, ça ne joue pas du tout sur la magie. Faut pas se fier au nom de la lame. Pas du tout fait au nom de la lame, hein. Bon, je parie qu'avec mon épée vent, je lui fais aucun dégât. Ah si, quand même, 7 de dégâts. Vous n'attendrez pas, soyez pas tant que je serai vivant, vous devez attendre la fin du duel. La fin du duel. Parfaitement, le général. A horreur qu'on les range pendant un combat singulier. Ça ne devrait plus durer très longtemps, vous pourrez bientôt passer pour aller ramasser les restes de votre ami. Ah, je m'attendais pas à faire autant de dégâts. Comme ça, il est obligé de s'équiper de l'épée foudre. Comme ça, j'évite les coups critiques. Le problème, c'est que je peux pas lui voler la moindre de ses armes. J'aurais bien volé, moi, son épée foudre. Bon, on s'en foutra nul, fin. Ah, il fait 10 de dégâts, quand même. Oh non, pas le critique. Ah si, le critique, si, en fait, si. Si, c'est très bien le critique, 2 points de vie. N'importe qui peut l'achever. J'approuve ce coup critique, en fin de compte. Ben, on va le faire achever par Ike. Il a besoin d'XP. Faudrait qu'il apprenne rapidement Ether quand même. Encore un level up de merde, youpi! Vous arrêtez trop tard, le général est invincible. En même temps, il ne lui reste pas grand chose à gagner niveau stats. Ouais, en même temps, il peut plus gagner de force. Mais il peut toujours gagner de la défense et de la vitesse. En même temps, je peux pas attendre que Hyde gagne de la force. Hein. Si, les armes létales peuvent s'acheter, si elles peuvent s'acheter les armes létales. Adepte, déclenche-toi Adepte, pour une fois. Mais c'est que dans des cas exceptionnels que tu peux en acheter en fait. Faut avoir la chance qu'il y en a une qui spawn quoi en fait. Ah merde, bon. Ah bah non, mais il y a si. Non, je peux faire ça. À moins que... Attends. Oui, toi, vache, fais le machin, là. Oh oui, pile poil le bon nombre de dégâts. Voilà. Tu montes à mort ma magie de foudre parce que ma magicienne de foudre risque d'être très très utile sur une certaine map. C'est pour ça que je la monte à fond.
Dès qu'elle peut achever un mec, je lui fais hacher parce qu'elle a besoin de monter. Arrivée de Ike et de Ranulf. Oh merde! Les deux! Oups! Je pensais que c'était qu'un seul. Oh, le fail. Ranulf, par ici, vite! Est-ce que je vais pouvoir bousculer Ranulf? Non. Non. Non, je peux pas le bousculer, sérieusement? Lal. Bon. Dommage, j'aurais perdu un peu d'XP s'il y avait un truc de tour. Je vais perdre un peu d'XP. Il y avait un bonus pour le nombre de tours. Non. Oh, critique. Oh. Arrête-toi, Ranulf, ne t'approche pas. Écoutez-moi, membre d'Alliance Zelgus, je suis Zelgus, général de l'armée principale de Mignon. Votre ami Skimir est tombé sous le fer de mon épée en combat singulier. Mon armée ne souhaite pas voir les cadavres sans pili quitter cet endroit immédiatement. Les soldats de Mignon, je vous interdis d'attaquer les soldats de Zelgus qui battent en retraite. La bataille est terminée. Zelgus est formidable, il est parvenu à limiter les pertes humaines dans les deux camps. Oui, c'est très bien, mais je voulais me battre, moi. J'ai promis à mon garçon de lui rapporter un Zelgus empaillé. Non, c'est impossible, Gérard Skimir a été vaincu par un Béorc. Puisque Gérard Skimir a été battu, nous devons le venger. Nous devons tuer leur général. Ne vous laissez pas duper par ce Béorc. Continuez le combat, mes frères. Arrêtez! Nous nous retirons, vous devez m'écouter. Je jure sur ma vie que Skimir rentrera avec nous. J'ordonne le repli général. Voilà qui est sage. Ivaï, retourne au camp. J'ai encore quelques affaires à régler. Ça serait marrant, Shiki. Qu'est-ce que vous manigancez? Vous aurez pu nous écraser et mettre l'Alliance Zelgus hors d'état de nuire. C'est vrai, c'est précisément ce que veulent les sénateurs. Mais ce n'est pas ce que souhaite l'impératrice. Cette dernière cherche à résoudre le conflit par voie diplomatique, mais elle ne fait pas l'unanimité. Si vous essayez de convaincre votre peuple de faire la paix, l'apôtre en sera plus que ravi. Mais négocier la paix dans les circonstances actuelles. C'est vrai que vous avez trop attendu, vous aurez dû le faire au moment où vous avez traversé la rivière. Vous avez raté cette occasion, regardez où cela vous amène. Je vous laisse réfléchir, vous avez 3 jours. Négocier un accord d'ici là. Si vous échouez, la trêve prendra fin, j'espère sincèrement que cela n'arrivera pas. Quant à héritier du roi Kennegi, ses blessures sont superficielles. Ceci étant dit, je vous conseille de les soigner rapidement. Vous voyez donc épargné, pourquoi? La victoire n'implique pas nécessairement la mort de l'ennemi. Si j'ai la possibilité d'épargner une vie, je le fais volontiers. Partez, je jure sur mon honneur que mes hommes ne vous attaqueront pas lorsque vous aurez le dos tourné. Hmm, 3 jours. Que va faire le peuple félin, Ranulf? Que va-t-il advenir de Galia? Les deux étaient barres, mais maintenant que Skimir demeure sur le carreau, Galia ne peut plus rien faire. Oh, c'est un désastre. Alliance Zelgus va devoir faire une pause. État nation, faut initier sa fête fratelle à un accord de paix? Je ne sais pas encore. Nous manquons d'effectifs et d'équipements. On peut les affronter. Mais résoudre ce conflit à coup de traité de paix serait tout sauf agréable. Le général Zelgus semble être une personne digne de confiance.
Je suis découvert pendant la guerre du Rachnar que l'apôtre n'était pas une mauvaise personne. Aujourd'hui, c'est Senna qui dirige Beignon. Ce sont eux qui ont assassiné notre émissaire. Le général Zegus n'a jamais désobéi à un seul ordre du Sénat, mais connaît-il de l'impératrice? Elle est chef suprême de Beignon, n'est-ce pas? Pourrions pas négocier directement avec elle? Croyez-moi, nous avons essayé, tous nos efforts ont été vains. Il ne s'agit pas seulement des Laguses. Tani affirme que l'apôtre refuse de rencontrer la guerre sacrée. L'apôtre refuse de parler à Tanit, mais Tanit est à ses côtés depuis toujours, ce n'est pas normal. Que se passe-t-il à Beignon? Eh bien, nous allons attendre et voir ce qui se passe. L'Alliance Laguse va se disperser pour quelque temps. Il faut s'occuper du retrait de Galia. Vous avez une longue route à parcourir avant l'offensive de Beignon dans 3 jours. C'est vrai. Général Zelgius parvient à briser le moral des forces Laguses et à freiner leur avancée. Skrymir accepte d'affronter Zelgius dans un duel et échappe de justesse à la mort. Cette défaite cuisante sème le doute et l'effroi parmi l'Alliance Laguse. Ranulf, conscient d'avoir perdu l'avantage, ordonne une retraite définitive. Le peuple félin profite des 3 jours de réflexion que lui a accordé Zelgius pour retraverser la Ribane et retourner à Galia. Ok, Chiki, à toutes. Eh, vous avez entendu, les sous-humains se retirent. Gérald Zegus est incroyable, tant qu'il est avec nous, nous avons absolument rien à craindre. Ahem. Messieurs, ce n'est pas le moment de bavarder. Cependant, si vous voulez faire l'éloge du général Zegus, je comprends parfaitement. Et notre fierté. Et tant qu'il mènera notre armée, ces maudits sous-humains ne pourront rien contre nous. Ah, pauvre imbécile, j'arrive pas à croire qu'il cesse le combat après avoir tué un seul sous-humain. Il a donné un ordre pareil, je me contenterai pas d'une piètre victoire. Je comprends, monseigneur. J'espérais moi aussi voir les sous-humains anéantis une bonne fois pour toutes. Toutefois, nous ne pouvons pas le punir pour avoir remporté le combat. Ce n'est pas ce que je vous dis, imbécile. Cette situation m'agace, me met hors de main. Voilà tout. Zelgus et l'apôtre tournent le Sénat en ridicule, il menace Beignon plus que ces sous-humains crasseux. Monseigneur, laissez-moi mettre un terme à cette situation irritante. Irez sur le champ de bataille pour obtenir la victoire dont Beignon a besoin. C'est tentant, je l'admets, mais je crois savoir que le général Zelgus a redonné un cessez-le-feu de 3 jours. Qui décide ici, monseigneur? Devez-vous suivre les ordres de Zelgus? Ah, vous avez raison, je vous donne carte blanche. Faites en sorte que Beignon soit fier de vous, Lombroso. Les droits de génocider les sénateurs. Ah oui, cette map qui va me donner un putain d'avantage pour toutes les unités qui peuvent attaquer à distance. Ranulf a timé son rentrée. Tibern et ses hommes sont en train de rassembler des informations sur les forces des Zelgus. Avant de partir, Tibern m'a demandé de te conduire à Galia où tu seras en sécurité. Es-tu prêt à partir? Non, je ne partirai pas, Hyde. Je ne quitterai pas cet endroit. Raison, je t'en prie. Ça fait 20 ans que je vis avec le peuple Faucon. C'est ma famille. Je vais rester. Bien, je vois que rien te fera changer d'avis. J'attends un nous si tu veux. Et bien sûr, De Grey peuvent rester ici autant qu'ils le souhaitent. Après tout, nous sommes actuellement au service de personne, nous sommes libres. Oh, merci. Bon, je vais devoir m'équiper plein d'armes à distance. Hein. Ah, du 3 étoiles, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais faire quelque chose pour toi, Ike. Je croyais que tu dormais. C'était le cas. Jusqu'à ce que tu m'approches. Ça ne gêne pas trop de te battre avec nous? Non, ça ne pose aucun problème. Tant que je peux dormir tranquillement, je ne regrette pas mes choix. Tu as besoin de quelque chose? En fait, je voulais profiter que tu sois parmi nous pour te demander des nouvelles de Gilles. Tu m'as dit que vous livrez des marchandises ensemble. Comment as-tu fait pour attirer Akria dans notre groupe? J'ai fait une rencontre pendant une livraison, voilà toute l'histoire. Et Gilles, comment va-t-elle? La dernière nouvelle, elle s'est enrôlée de nouveau et elle est allée se battre pour l'aberration d'un. D'accord, dans ce cas, ne devrais-tu pas aller à Dain pour l'aider?
Non, elle est grande maintenant. Elle n'a plus besoin que je la surveille. Elle peut faire ce qu'elle veut. Je ne comprends pas, je croyais que vous étiez un peu plus proches, que vous étiez ensemble en quelque sorte. Gilles est la fille de mon ancien maître, et c'est tout. Tu veux que je m'en aille, dis-le-moi franchement. Non, on va pas surtout croire ça. Sur le champ de bataille, tu es un excellent élément, je suis content que tu sois avec nous. Bien. J'aime bien ton groupe de mercenaires, vous n'êtes pas prétentieux, vous voulez la même chose que moi, vaincre l'Empire. C'est vrai. C'est tout. Je vais faire un somme en attendant notre départ, pas à peine de me réveiller avant. D'accord. Hé, attends. Oui. Quoi, ce sac sur ma lucarne, il contient un cadeau pour toi. Tu peux le prendre maintenant. Un cadeau? Oui, enfin, ce n'est pas grand-chose. Dis-tu de me remercier. T'es endormi? Ce type est bizarre. Ah, corrosion. Ah, je m'attendais à avoir récupéré un peu d'argent, mais bon. Et pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Moi j'ai arrêté ça parce que... Ah. Ah, le veau d'Ao, ouais, non, j'ai pas beaucoup de fric, donc je garde mon fric. Et si c'est tentant à acheter. Allez, viens vite, c'est l'armée de Baignon. Quoi? Des connards, plein de connards. Que font-ils ici? Les 3 jours de trêve ne sont pas encore écoulés, que se tâche. Ils n'ont pas su prendre leur mal en patience, ils veulent récupérer le château. Si nous refaisons, ils attaqueront. J'entendais certainement de Galliol, il faut qu'on quitte le château. Et ils pensent pouvoir nous vaincre maintenant que nous sommes seuls. Ils savent vraiment pas à qui ils ont affaire. Montrons-leur la puissance des mercenaires de Grey en position, tout le monde en attaque! J'ai Shinan avec moi ou pas? Oui! Ah bah je peux prendre tout le monde! Ah oui, j'ai toute mon armée là! Oh cool! Bon bah Raison, tu m'excuses mais je te prendrai pas. Oh cool! Ah c'est cool ça, c'est pété! Alors mes 2 archers, hein, voilà, hein. Donc ici j'ai quoi? Il me faut surtout des mecs à la lance. Lance, hache, magicien. Donc on va prendre Nefini, machin, il faut un magicien, Soren, tu es où Soren? Mon petit Soren, tu es là. Mais il, on va les foutre en retrait en arrière. Voilà. Bugger en armure, on va le plutôt. Là. Ouais, voilà, il est très bien là où il est. Gatori, tu vois. Là, il me faut des mecs qui peuvent attaquer à distance. Donc, elle est parfaite. Là, t'as une épée vent. Ouais, toi, t'attaques à distance. Là, t'attaques à distance. Putain, il faut que je bouge tous les trous, quoi. Ah, c'est pas de coup, il faut que je bouge tous les trous, là, en fait. T'as un petit épieux. Ah, mais t'as elle aussi. Hein. Putain, c'est chiant, il faut boucher tous les trous, quoi. J'ai tous les trous pour pas se faire niquer.
J'espère que j'aurai assez d'armes qui tirent à distance. Au pire, j'en rachèterai si j'en ai pas assez. Y'en a un qui peut monter. Ouais, lui il peut monter direct. Défendre 10 tours, vaincre le boss. Il est où le boss? Bah il est loin votre boss. Ah ouais, mais il a un truc intéressant à voler. Oh putain, je vais pouvoir pas faire une guerre de... Ou je tue le boss, du moins que je vole le boss. Ouais, faut que je vole le boss. Non, je vais plutôt envoyer Soren là. Oh oui, elle a du équipement à distance, elle. Ça va, elle est tranquille. Les unités de remplacement. Vous croyez franchement que je vais laisser Ike là? Je doute qu'il y ait des unités qui se passent. Direct level up. Ah, vitesse, défense, résistance, cool, bon level. Oh, je vais amener Soren là pour massacrer les mecs en armure là. Je sens qu'ils vont vite me faire chier les mecs en armure. We'll be right back.
Dommage, toi, je te vois venir à 2 km, toi. Je le vois tellement venir, le mage, avec son sort élémentaire. Venir m'attaquer par le bas, là. Je te vois tellement venir à 2 km, gamin. Ah oui, la balise, ça attaque loin. On va essayer de viser quand même des gens sur qui ça fait pas mal de dégâts. Et bah, je peux pas attaquer. 13, 9. Pas le mage, tiens. Ah, 7 de dégâts, c'est pas suffisant. 9 de dégâts, c'est suffisant. Pourquoi un point de force? Bon, ok, c'est cool, point de défense, mais pourquoi un point de force? J'aurais pas pu gagner de la magie, là, pour faire plus de dégâts? Et toi, tu fais combien de dégâts? 17. Ah, faut que je fasse un peu plus de dégâts. Donc, le marlin de fer. Ah, 11. Il resterait 18. C'est pas assez. La lâche létale elle fait pas assez de dégâts non plus. On baffe. Faut quand même taper avec ça, hein. On va espérer qu'un adepte se déclenche. Et ben voilà, adepte se déclenche. Il suffisait de demander. Ouais, le point de vitesse, magie vitesse, parfait. On va arrêter de taper comme une fillette. Allez, je l'ai désarmé le mec. Limite, je pourrais lui piquer son arme. Bon bah t'as elle qui peut pas faire grand chose à part regarder. Oh bah si, elle peut vite fait soigner Liana qui a gagné un point de vie. Bande de cervelles, ne voyez-vous pas que vous ne faites pas le poids? Vous avez rejoint la guise du Trail Empire, le Sénat sera ravi de vous voir mort et enterré. J'allais faire la voix du sénateur. Oh, le contre! Le contre qui l'achève. Mais attaquez Néphéni! Elle sera un délice de vous massacrer, Néphéni. C'est dangereux, il a une arme à distance. Tiens, 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 je t'avais prévu, toi. Tellement.
pas pour rien que j'ai mis une arme à distance. Je t'ai vu, mec. Je t'ai vu. T'as cru que t'allais pouvoir me bluffer comme ça? Ouais. J'aurais bien aimé un point de défense, mais bon. Heureusement que Boyd esquive. Bon, eux, les unités à monture vont vite me péter les couilles, je crois, en fait, là. Ça peut être très dangereux. Très, très, très dangereux. Je crois que Boyd, il va crever, ce con. Mais pourquoi Ar fallait attaquer Lyanna? Lyanna aurait été contente de se faire attaquer, là. Ah bah voilà. Allez, force, vitesse, défense. J'ai au moins eu le point de force. Bon, la magie me sert à rien, mais j'ai au moins eu le point de force. Bien, mais si prioritaire, ce sont les mages. On pète couille, les mages. Ou adepte encore. Bon là il n'était pas utile l'adepte, mais bon. Ça fait plaisir de l'avoir s'activer. Vitesse, ouais. Et hop, comme ça, je rebouche le trou. Ah, mais je vais avancer, j'ai un truc à voler, moi. Donc, vas-y, Ike, fais-toi plaisir. Magie? Pourquoi? Pourquoi mes gars d'attaque gagnent de la magie? Pourquoi? Tu m'expliques cet état de fait?
Le problème, c'est que j'aimerais bien, c'est faire bouger ma voleuse. Et à l'heure actuelle, je peux pas la faire bouger. J'aurais besoin qu'elle vole un truc. Ah, il faut que je la fasse bouger, mais il me faudrait une unité pour boucher. Un level de merde pour lire des livres. Ils n'ont pas besoin de lire des livres, hein. Non, t'es sérieux, 29% il touche? Ok, Nefini est morte. Ou pas. Ou pas. Donc 3 points de vie de survie. Le 1 point de vie de survie. J'ai tous les laissé en PLS comme ça. Ils attaquent, ils se replient. Eh, hey, il y a des couilles, restez sur le terrain, les gars. Il y a des couilles. Au lieu de vous barrer comme des petites. Pute, comme des petites pucelles. Oh, il a attaqué deux fois Gatori. Oh mon dieu. Bah, c'est le point de vitesse qu'il a gagné, je crois. Il a permis ça. C'est ça, je frappe et je me retire. Ah, toi t'as la bonne place, le match de heal. Toi t'es bien placé, toi. T'es bien placé pour que je te défonce ta gueule. Ah, mais l'archer, non mais. Bon, déjà, on va retirer elle. Voilà, hein. Ça se fait. Ouh, le critique. Et... bellissimo. Quand même qu'il se gagne un peu d'XP, mais mes balistes. Oui, force vitesse, yes. Ah, 16. C'est sérieux, le point de vie? Ah, mais ça, je peux faire. Allez, coup critique! Et merde.
Merci pour le point de force. Ça sert à rien, mais c'est pas grave. Ah oui, j'avais pas vu que j'avais laissé un trou là. On va boucher le trou avec mon mage. Déjà, Ike lui va se faire plaisir sur le joli petit. Île. Hein, j'aime pas l'île. Je m'excuse, mec, mais j'aime pas l'île. Hein. Je te permettrai pas de remplir d'autres gens. Hein. Tu m'excuses, mais. J'aime pas l'île adverse. C'est pas que je suis raciste, mais. J'aime pas vos gueules. Vingt-deux fois deux, quarante-quatre. Pourquoi cette question? À cause du mage heal? Eh bah voilà le point de défense qui fait plaisir. Ah voilà, je commence à avoir des bons level up là. Avec certains personnages. Là je m'y attendais. Dommage, t'es esquivé. Allez tous vous suicider sur Ike. Je rigole un bon coup. J'aime les suicides. C'est beau. C'est beau, c'est boche, la référence. Et en plus, Ike il fait des ravages juste avec l'épée la moins puissante du jeu, quoi. Il est tellement pété, Ike. En même temps, il a sa force à fond, déjà. Ouh, un archer. Ouh là 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 là. Je peux limite envoyer Ike en mode solo. Vas-y, va te faire tout le monde. Il se fait plaisir, Ike. Bon, il y a beaucoup d'archers, je vais peut-être m'équiper de l'épée vent. Ça aussi, c'est pas assez suffisant pour one-shot un mec. Ah bon, t'as préféré attaquer Ike. Choix plutôt étrange. Bravo, t'es le premier qui le touche. Oh, pleine garde en murmure. Bon, vous me faites chier d'avance. Avec l'épée vent, je fais combien de dégâts? Que 15, c'est pas suffisant. L'épée acier n'est pas suffisante. Ah, la lame de fer, elle fait le taf. Le point de défense, bah tenir il peut plus gagner de force. Donc ça sert à rien de demander un point de force, il peut plus.
Ou 20 fois 2 carrément. Ouh. Ça va faire le ménage ça. Aïe, 2 points de dégâts, mal. Oh, je déconne. Ça serait bien que tu me fasses un petit coup critique de temps en temps, ma petite, hein. Fais-moi un coup critique. Bon, bah, rip. Hein. Rip le coup critique, hein. Ouais, j'aurais bien aimé un point de vitesse, mais bon. Il n'ira pas te faire remplir, mec. Je pense. Ouais, level up de mer, mais bon. Ah, mais en même temps, elle peut plus gagner de vitesse, elle. Elle peut toujours gagner de la force, et surtout de la défense. Bien sûr, tu vises A. T'as une chance de toucher au moins. C'est bien, comme ça, il te reste juste pile poil à HP pour que Liana t'achève. Bien, gentil petit ordi. Oh, une dracocide, tiens. Et comment ils font pour me toucher avec moins de 40% de précision? Moi, j'essaie, jamais je touche. Bande de cheaters. Oh, une calabucide. J'ai bien fait d'envoyer Ike. J'ai envoyé un mec en monture. Où il a pris cher face à ce mec. Ouais, une potion. Oh, plein de renforts. Le point de défense, bon, moi, lui au moins niveau défense il sera bien.
Ouais, on est combien en unité? Faut que je regarde. Allez, fais-moi un point de vitesse. Yes! Défense, vitesse, yes! Bon level. Et combien d'unités? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouais, quasiment une vingtaine de personnes quand même. Venez vous battre! En plus, je vais me foutre dans un buisson, rien que pour vous faire chier. Et je vais à l'épée fer, rien que pour vous humilier. Bon, je vais ramener mes archers parce que là, hop, ils ont plus de cible. D'ailleurs, toi tu vas aller buter le mage de heal, parce que j'aime pas l'heal, hein. Et raciste envers l'heal, quand c'est les adversaires qui les ont. On ne fait pas peur! J'aurais peut-être dû lui équiper l'épée vent. Parce que ça fait peur. Ça fait très peur. Bon, on va devoir replier Ike. Parce que là, j'ai... Là, je suis dans la merde, là. Je dois replier Ike. Là, le mage qui me touche à 28% de précision, c'est abusé. Non, sérieux, le mec qui me touche à 28% de précision, quoi. C'est pas de l'abusation, quoi. 28% de précision. J'espère que celui-là a des items pour se régénérer tout seul. Sinon, je suis dans la merde. Oh merde! Oh merde! Oh! Fils de pute! Oh le météore! Oh le météorite là qui achève! Normalement, t'esquives les trucs là! Oh my god, sérieusement. Oh, en plus j'ai eu des putains de level quoi. Ah tiens, salut Blue. Sérieusement. Sérieusement quoi. Oh, oh les putes. Fuck. Ah, je m'y attendais pas à que Ike se fasse violer comme ça.
C'était tellement pas prévu. Sérieux, Titania, là? T'es sérieusement sérieuse? Ah non, en plus, j'étais pas loin de la fin de la map, quoi. Ah, dingue. Ah, ce météorite, normalement, qui aurait dû me louper, quoi. Météorite, normalement, c'est un sort qui touche quasiment jamais. Eh ben non, ce coup-ci, il a touché rien que pour m'emmerder. Ah, RNG. Ah, les RNG de merde. Oh, putain. Quand la RNG t'aime pas. Le 10 de dégâts fait pas du bien en tout cas. Points de vitesse, en espérant qu'elle gagne plein de points de vitesse. Ok, magie technique. Dégâts. Allez, adepte. Adepte mon cul, ouais. Et vitesse, non, non, non. J'aimerais pas avoir des mages qui double attaque. Thank you.
Oh, le critique! Ouais, ta gueule. Non, mais Titania, pitié, arrête de couper. Ouch. Mal. Non mais toi je t'ai vu venir à 2 km comme tout à l'heure hein. Salut Star. Oh. Ah ouf. Dis merde, elle l'achève pas, voici. Non mais va pas te remplir, fils de. Oui, le match de heal. Oula, où t'as prendre cher l'huile. Le heal, tu es mort. Tu es mort, tu es dead, tu es hors course là. Le heal, t'es juste hors course. Non, y'a pas de rage kit. Y'a un rage kit, je serais pas là. J'ai eu des game over quoi, du moins un personnage qui a crevé, mais ça, c'est quand le jeu, la RNG, elle a envie de te faire chier ça. Oh, le heal, tu es juste foutu. J'aurais jamais dû te placer là. Voilà, et un heal de mort, et un. Bon, ça fait le level de Rolf. Voilà, comme ça maintenant vous avez plus d'île. Maintenant, comment vous allez vous en sortir les gars? En île, hein? Garf, garf, garf. Ou adepte, bien sûr. Quand j'ai pas besoin d'adepte, il se déclenche, hein. Foutage de gueule. Le point de magie, ah oui, ça m'est très utile, ah oui, le point de magie qui sert à rien, nom de Zeus.
Ah, le point de magie sur un chevalier armure, quoi. Sérieusement. C'est quoi cette poisse au niveau des level up? Omega d'attaque gagne de la magie. Encore, pour une magicien, gagner de la force, c'est pas dérangeant, car ça empêche de prendre trop cher à cause du poids des tomes. Ah, et en plus, level up de merde. Merci, il est fini. C'est sympa. Je savais que le mage allait attaquer Titania, c'est bien pour ça que je lui ai mis la hache à distance. Je l'ai pas enlevé. Oh, elle l'a pas achevé. Ok, lui il fait sa pute. Ouah, tu crèves. Vous fuyez comme des putes. Le félin légendaire, je vois pas de quoi tu parles, Stardust. Le félin légendaire, tu joues à or ou argent, et Picune c'est pas un félin, ça serait plus dans l'ordre des canidés. Ah ouais, deux coups. Ah, je n'attendais pas. Ouais, mais Raikou et Entei Suicune, c'est plus dans l'ordre des canidés que des félins. Mais non, pourquoi t'as visé lui? Il fallait viser notre chère unité faible, Lyanna. Elle serait fait un plaisir de riposter à ton attaque. Ah, mais c'est level up de merde. J'ai des pires level up que tout à l'heure quand même. Ça m'énerve un peu quand même. J'ai des level up pires que tout à l'heure, quoi. Alors c'est pas ça possible.
Force, défense, voilà, ça c'est un bon level ça. Adepte, adepte, pas adepte, adepte, pas adepte, adepte. Hop. Le point de vitesse qui fait plaisir, j'aurais préféré de la défense pour lui, mais bon. Oh, sérieusement, 3 points de vie. Tout le monde, ils sont en pénèse de points de vie. T'as plus de mecs en pénèse de points de vie qu'autre chose, là. Ouais, level up de merde. Coucou. Toi, le match de heal, t'es mort, hein. Cherche pas, hein. Je te tue. Hein. J'ai plus qu'à les cueillir maintenant. Toutes les merdes là-bas, j'ai juste allé à les cueillir. Le point de défense qui fait plaisir. J'aurais bien aimé un point de force quand même pour elle.
À coup de hache létale. Mon cul, ouais. Attends, on va peut-être attaquer avant de la remplir, hein. Et si jamais elle se fait toucher. Sérieusement ?